Libre. Enfin libre. Je vous dois des remerciements pour m'avoir libéré. Vous allez bien? Vous n'êtes pas blessé? Ça va. En tout cas, ça ira. Avec le temps. Je m'appelle Shiala. Je suis, ou plutôt j'étais, au service de la matriarche Benezia. Lorsqu'elle s'est alliée à sa reine, je l'ai suivie. Benezia avait anticipé l'ascension de sa reine. Elle l'a rejoint dans l'espoir de le ramener dans le droit chemin. Mais sa reine est douée d'un étrange charisme auquel Benezia a succombé. On sait déjà. Vous voulez dire que sa reine peut contrôler ce qui l'entoure par la pensée ? Ouais, on n'a pas fait les missions dans l'ordre. Tout comme moi, d'ailleurs. Et nous oui. En sommes venus à croire en sa cause et en ses buts. Son pouvoir de suggestion est troublant. Incroyable, je le savais. Sa reine, mais son plan s'est retourné contre elle. Les matriarches Asari comptent parmi les êtres les plus puissants et intelligents de la galaxie. Comment a-t-elle pu tomber sous la coupe de sa reine ? Sa reine possède un vaisseau du nom de Sovereign, un cuirassé d'une taille inimaginable, plus grand que tout ce que j'ai jamais vu. Il a le pouvoir de dominer mentalement les serviteurs de sa reine. Mais au moins ça recoupe les informations, c'est Sovereign les soumet entièrement à sa volonté. Le processus est subtil et peut prendre plusieurs jours ou plusieurs semaines. Mais il est inexorable. Lorsque je suis venue sur cette planète avec sa reine, je n'étais rien de plus qu'une esclave consentante. Il avait besoin de mes talents biotiques pour communiquer avec le Taurien et lui arracher ses secrets. J'ai servi de monnaie d'échange à sa reine. Il m'a sacrifié pour conclure une alliance avec le Taurien. Sa reine ne semble pas avoir de scrupules à trahir les siens. Et il n'en a pas eu non plus pour le Taurien, croyez-moi. Après avoir obtenu ce qu'il était venu chercher, il a ordonné aux guettes de détruire toute trace de son existence. Sa reine sait que vous êtes également à la recherche du canal, et que vous le talonnez. Détruire le Taurien était le plus sûr moyen de vous empêcher de trouver l'énigma. C'est quoi cette énigma ? Et qu'est-ce que sa reine veut en faire ? La balise d'Eden Prime a gravé des choses qu'on sait pas déjà. Des visions étranges, qui vous dépassent, car elles ont été conçues pour un esprit protéen. Pour comprendre le sens de ces visions, vous devez apprendre à penser comme un protéen. Vous devez absorber leur culture, leur histoire, la raison même de leur existence. Le Taurien était déjà ancien lorsque les protéens ont bâti cette cité. Il les a observés, étudiés et après leur mort, assimilés. Si je comprends bien, le Taurien a appris à sa reine à penser comme un protéen. Comment ? L'énigma est l'essence même des protéens. On ne peut ni la décrire, ni l'expliquer. Autant essayer d'évoquer les couleurs à un aveugle. Pour comprendre vos visions, vous devez accéder à une mémoire ancestrale endémique. Un panorama s'étendant sur des milliers de générations protéennes. J'ai ressenti l'énigma, cette mémoire ancestrale, lorsque j'ai été absorbée par le Taurien. Nos identités ont fusionné, nos deux esprits se sont unis. Un tel savoir ne peut être enseigné. Il existe, c'est tout. J'en ai besoin pour arrêter sa reine. Alors, tout comme je l'ai fait pour sa reine, je transférerai mon savoir dans votre esprit. Détendez-vous, commandant. Inspirez lentement. Détendez-vous. Prenez une grande inspiration, ça va piquer. Saisissez les liens qui nous unissent. Je vais mettre un grand gant en plastique. Chaque action entraîne une réaction à travers la galaxie. Chaque idée doit pénétrer un autre esprit. Oui, c'est ça, pénétrer. Chaque émotion, imprégner une autre âme. Nous sommes tous connectés les uns aux autres. Chaque être vivant est uni au sein d'un grand tout. Ouvrez-vous à l'univers, commandant. Acceptez l'éternité ! Trop de champignons, j'aurais pas dû reprendre de speed.
Je vous ai donné l'énigma, tout comme je l'ai donné à Saren. La mémoire ancestrale des protéens fait désormais partie de votre être. Qu'est-ce que c'était ? Commandant Shepard, ça va ? Oui, j'ai essayé d'essuyer mon casque, je suis un peu fatiguée. J'ai vu quelque chose, mais je ne suis pas plus avancée. Vous avez reçu un don précieux, la mémoire de tout un peuple. Votre esprit aura besoin de temps pour assimiler toutes ces informations. Vous titubez, commandant. Je crois qu'il vaudrait mieux retourner en Normandie. Pardonnez-moi de vous avoir fait souffrir, mais c'était le seul moyen. Le moment venu, l'énigma vous permettra enfin de comprendre le sens de vos visions. Vu que vous êtes libéré du Taurien, vous comptez faire quoi ? Si vous le permettez, j'aimerais rester ici avec les colons. Ils ont beaucoup souffert, en partie à cause de moi, et je voudrais réparer les torts que j'ai causés. Les colons vont avoir besoin d'aide, et la vôtre leur sera précieuse. Merci, commandant. Que la réussite vous accompagne. Tu viens d'Azari, toi. Vous avez réussi. Le Taurien est mort et nous pouvons commencer la reconstruction. Sans compter que nous sommes à l'abri des menaces d'exogénie. Féros est redevenu une petite colonie sans intérêt. Merci, commandant. Ça va, il va falloir reconstruire quand même, hein. Enfin, on nous envoie de l'aide. Il était temps. Nous allons tout rebâtir. Que faire d'autre, de toute façon ? Se sortir les doigts du cul. Déjà de retour ? Vous avez retrouvé ma console ? J'ai retrouvé les données et je les ai téléchargées dans votre DSO. Formidable ! Merci pour tout. Vous me donnez les crédits et je me tire. Point. Bien sûr. Merci de votre aide, commandant. Ça ne sera pas facile, mais nous rebâtirons cette colonie. Vous avez guéri la plupart des malades. Ça prendra du temps, mais ils s'en remettront. Je vais faire tout mon possible pour aider la colonie. J'ai honte de la souffrance que ces pauvres gens ont endurée. Parlez-moi de vous. Il n'y a pas grand-chose à dire. J'étais juste l'une des disciples de la matriarche Benezia. Je l'ai suivie pendant près de 200 ans, et elle m'a tout enseigné. Le jour où Benezia a décidé de rejoindre Saren, elle a laissé à ses disciples le choix de la suivre ou non, et seuls les volontaires l'ont accompagnée. Ceux qui estimaient son plan trop dangereux l'ont quittée. Je croyais en elle. J'étais sûre qu'elle pourrait détourner Saren de sa folie. Mais en fin de compte, nous l'y avons rejoint. Au revoir, Shiala. T'inquiète pas. Au revoir, commandant. Elle y est plus. Et bonne chance. J'ai pas osé te le dire, mais elle est décédée quand même. Voilà. Bisous. J'espère que nous allons pouvoir vivre en paix maintenant. On s'en sortira. Ça sera dur, mais on s'en sortira. Exogénie a intérêt à nous envoyer les fonds promis. Ils ont surtout intérêt à vous dédommager, ouais. Avec ce que vous avez pris dans la mouille. Je voudrais bien repasser par l'entrée du bâtiment et aller voir si la madame, elle va mieux. Genre, est-ce qu'elle aurait pas un petit cadeau pour nous, vous voyez ? Ce genre de choses. Pas comme ça que ça marche dans la vie ? Ah ! Je suis libre. Je peux penser normalement. Merci. Merci pour tous vos efforts. Vous nous avez apporté une lueur d'espoir. Lueur. Je t'ai sauvé la vie, madame, quand même. T'appelles ça une lueur ? Putain, mais... C'est pas juste, quoi. Je n'ai plus mal. Je peux de nouveau penser par moi-même. Grâce à vous, nous avons une seconde chance. Le manque de nourriture reste un problème majeur, mais nous nous en sortirons. J'ai éliminé le plus imposant des varennes. Je vous laisse vous occuper du reste. Formidable. Enfin... La viande de Varenne a un goût atroce. Mais maintenant que nous sommes débarrassés des guettes, je vais pouvoir organiser une battue. Merci de ne pas nous avoir abandonnés comme tous les autres l'ont fait. Je dois y aller. Tenez, prenez ceci. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai. Ok. Merci pour tout ce que vous avez fait. Il m'a filé un petit truc quand même, c'est cool. Allez. Ah, j'ai enfin les idées claires et plus peur de douiller. Par contre, sans accus, on n'est pas tiré d'affaire.
J'ai pas trouvé d'accu. Si je trouve quelque chose, je vous le ferai savoir. Merci, commandant. C'est sympa. J'en ai pas trouvé des accus, madame. Je suis désolée. Merci de nous avoir libérés. Je t'en prie, Reynolds. Tout le plaisir était pour moi. En fait, on a encore des choses à faire ici, ou on peut se barrer. J'en ai pas trouvé, hein. Je peux pas la finir cette quête du coup parce que Faydan il est mort en fait. J'ai une quête que je pourrais jamais terminer. Je n'aurais jamais pensé être aussi content de voir un soldat. Mon comportement a pu vous sembler étrange la dernière fois que nous nous sommes vus, mais j'étais sous l'influence du Taurien. Chaque pensée contraire à ses désirs déclenchait une terrible douleur. Que comptez-vous faire maintenant que la paix est revenue? Je crois que je vais rester pour essayer de renflouer mes caisses. Je devrais recevoir une nouvelle livraison dans quelques semaines. La colonie va peut-être survivre en fin de compte. Faites-moi voir ce que vous avez en magasin. Avec joie. Et si vous repassez d'ici quelques temps, j'aurai certainement beaucoup plus de choix. Ok, Tac. Merci. Du coup, ce qu'il a, je pourrais l'acheter chez nous aussi. L'accumulateur est dans la même salle où se trouvent les varennes. Oh, mais je sais plus où ils sont, les varennes. T'es mignon. C'était un peu loin. Je vais retourner voir, du coup. C'était par là, non? Ou par là? Non, ici, il n'y a rien. Il me semble que c'était par là-bas. Ouais, c'est ça. C'était en face. C'était par ici. Ah ouais, non mais ça, l'ouf, c'est le pouvoir de Mass Effect. Non, c'était pas celle-là de salle. C'était pas cette salle-là. Les dédales infinis... Vérifie qu'il n'y a rien d'autre. Ça n'a pas l'air. Allez, on se refait tout le chemin dans l'autre sens maintenant.
Et du coup, l'autre con, il est plus... Ah, dommage. Bon, je voulais voir s'il était là. Du coup. Mais non. Il est plus là. Allez, allez. Le retour. N'empêche que avec tout ça, il pourrait mettre un peu de musique dans le jeu. Enfin, franchement, il y a des petites musiques d'ambiance et tout, mais moi, je suis à la place de Shepard. J'ai une petite radio et tout dans ma combinaison pour écouter de la musique, quoi. Parce que sinon, tu te fais vite chier. Hein. Allez, go. Avec tous ces allers-retours là. Waouh, waouh, waouh. Trace un petit peu ma petite parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Oui, on peut passer par là, ça va plus vite. T'as raison. Vois-toi la porte. Hop, elle est là-bas. C'est important, non? Alors foutez le camp. J'essaie de bricoler un truc pour remplacer les accus. J'ai trouvé ces accumulateurs dans les tunnels. Ça vous intéresse? Je pensais bien qu'on finirait par les trouver. Tenez, Faidan m'a filé quelques fonds. C'est à vous. Bon. Maintenant, j'ai plus qu'à me démerder pour brancher ces accus et la colonie aura de l'énergie.